Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo haul try on. J'ai acheté des petites pièces et je me suis dit ça serait sympa que je vous les partage par ici parce que des fois je vous fais des looks sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Mon pseudo se trouve en barre d'infos. C'est là où je suis le plus actif et je vous montre mes petits looks en réel et tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Donc je voulais vous montrer des petites pièces, les dernières petites pièces que je me suis achetées. Donc notamment, il y aura du Zara, il y aura du COS, il y aura du H&M. Notamment chez Zara, je me suis pris ce petit gilet comme ceci, un petit veston. J'ai trouvé trop mignon. Je vous mettrai certainement entre la vidéo les vêtements, enfin ce veston porté avec le jean que je vais vous présenter après. Donc voilà, je l'ai pris en taille M. Il est vraiment très joli. Je vous l'avais montré sur Insta, vous étiez nombreux à avoir craqué aussi. Il existe qu'en blanc, c'est pas un blanc blanc franc, hein. C'est un blanc crème. Je l'ai déjà mis pour travailler et c'est vrai qu'on m'a demandé aussi, mes collègues m'ont demandé où est-ce que je l'avais eu. Vous le portez comme ça avec un pantalon large. J'avais mis mon pantalon large de chez Zara noir, même un jean, hein, mon jean que je vais vous montrer, ça fait une belle association. Donc voilà, j'ai craqué pour cette pièce-là. Je vais mettre ça par là. Ensuite, je voulais un pantalon bleu clair, pas trop clair non plus. J'en ai un de chez H&M. Il est bien pour l'été, mais il est clair, un peu trop clair. Donc j'ai craqué pour celui-ci de chez COS. Je vous mettrai l'introduction avec le gilet et le pantalon porté. De toute façon, si vous voulez voir, j'ai mis un réel sur Instagram. Donc c'est un pantalon ou large. Voilà, ça se prononce. Enfin, l'intitulé, c'est ça. Vous allez sur COS. Et vous tapez pantalon large et franchement il est canon. Je dirais qu'il manque peut-être 2-3 cm en bas. Je le trouve un petit peu court, mais bon, je l'ai gardé parce que je le trouvais trop sympa. Et moi franchement, terminé les skinny, je n'en mets plus. Je trouve que ça me sert trop et en plus avec mon problème d'intestin irrité, j'ai le ventre gonflé tout le temps. Donc du coup, je préfère prendre des jeans comme ça. C'est le confort absolu, franchement. Depuis que j'ai acheté les jeans sur H&M, les white leg, franchement, je suis fan. Et tout le monde me dit que ça me va bien et tout ça. Et moi, je suis tellement bien dedans. C'est surtout le confort avant tout. Il y a rien à nage, les skinny, ils sont trop serrés. Je vous dis, j'en ai donné à une petite qui travaille avec nous au bar. Elle était très contente. Donc, du coup, voilà comment il se présente. Voilà, il est très très sympa. Moi j'ai pris un 38 pour mon 38. Enfin même pas, c'est un 28. J'ai pris un 28. Donc ça correspond à un 38. Et il est parfaitement bien coupé. Il est très très bien. Ensuite, je me suis pris. Alors ça, celui-ci, je l'avais déjà acheté, mais il est en ce moment en solde sur le site de COS. C'est un gilet comme ça en laine gris. J'ai commandé celui en noir. Il est arrivé aujourd'hui. Je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas encore été le chercher. Et je l'ai acheté en noir. Il est trop beau. Ça, cet hiver, je pense le porter avec un col roulé et ou un petit top noir et mettre le gilet par-dessus. Je vais vous montrer. Il est assez long. Il a 3 boutons. Des fausses poches. Il est très joli. Moi, je l'ai en gris et je vous dis, je l'ai acheté en noir sur COS. Si vous êtes intéressé et si vous n'avez plus votre taille, n'hésitez pas à mettre une alerte parce que ça revient assez régulièrement. Celui-ci était à moins 50% et l'autre 40%, je ne sais plus. Bref, donc il est très très joli en matière comme ça. C'est en laine, hein, tu ne peux pas le mettre tout de suite parce que bon, il fait quand même assez chaud. Donc voilà, j'ai craqué pour ces gilets-là. Ensuite, une pièce chez H&M. J'ai craqué pour une chemise. Je la trouve trop belle. Alors, ça valait le coup. Elle n'était pas chère de base. Elle était à 19,99. J'avais, moi, je suis, je sais pas comment on appelle ça, cliente, je sais pas quoi, premium ou je sais pas. J'ai la livraison gratuite. Bon, je vais ramasser. J'ai la livraison gratuite et j'ai des petits chèques de réduction. J'avais 3 euros. Donc en tout, elle m'a coûté 16,99 €. Je la trouve très jolie.
J'ai pris en taille S parce que je la trouvais déjà assez loose. Vous avez une petite poche, vous montre, et vous avez les bordures blanches et tous les boutons qui sont là. Ça, je me dis aussi, pour aller travailler avec un petit jean clair, ça va être le look parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, après, le col est blanc, un peu salissant, mais bon, voilà. Je vous montre de plus près. Très, très joli. J'ai pris en taille S aussi, également. Ouais, taille S. Après, il n'y a pas de code, il n'y a pas de QR code. Vous allez sur H&M, vous tapez chemise à rayures, col blanc, vous allez tomber dessus. Il y avait différentes couleurs, mais je préférais ce bleu marine. Là, je trouve assez chicos. Je trouve assez joli. Donc, voilà. Voilà pour mes petits achats que j'ai fait là au mois de juillet. Ouais, fin juin, début juillet. Donc, je voulais vous montrer tout ça. Là, j'ai deux blouses aussi que j'ai commandées sur Grunge Mama. Mais c'est des blouses de couleur. Je voulais un peu de gaieté parce que je suis toujours habillée sans blanc, sans noir, sans beige, sans... En, voilà, des couleurs assez... bon, après, c'est du passe-partout, c'est de l'intemporel et c'est des vêtements que vous pouvez porter tout le temps. Mais je voulais un petit peu de peps pour l'été. Donc, j'ai commandé, je vous le montrerai sur Instagram certainement. J'ai commandé une blouse rose et rouge, très, très belle. Et une blanche et verte avec des motifs. Et je trouvais très belle pour mettre avec un jean clair. Je pense que ça va faire assez sympa. Mais comme je vous dis, je vous montrerai tout ça sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Ben écoutez, voilà pour mes petits achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner. Cela me motive et ça fait plaisir. Et voilà, je pense que mois d'août, je vais être calme. Je ne vais rien acheter parce que je vais attendre septembre pour la rentrée, voir un petit peu ce qui se fait. Voilà, et puis je vends sur Vinted, si vous voulez voir mon pseudo, se trouve en barre d'infos. Voilà, je vends, donc avec les sous que je vends, je me rachète. En fait, voilà, je fais comme ça. Mais là, l'été, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais plutôt me pencher sur l'automne, quoique, bon, je ne vais pas trop m'affoler non plus parce que je pars en vacances au mois de novembre. Donc voilà, voir un petit peu ce qui se fait au niveau des nouveautés, les couleurs et tout ça. Quoique moi, c'est vrai que j'aime bien le beige, j'aime bien le gris et j'aime bien le noir aussi à l'automne. Donc voilà les amis, pour ça, je vais vous laisser et puis nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc, je vais, comme je vous disais, je vais vous poster des vidéos 3 fois la semaine. Et au mois d'août, je ferai une petite pause d'une semaine. Je ferai une petite pause sur Insta et je ferai une petite pause sur YouTube d'une semaine. Coupez un petit peu les réseaux. C'est pas que vous m'embêtez, pas du tout. Mais si vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez. Mais je vais couper pendant une semaine. Je vais voir un petit peu ce que ça fait. Voilà, parce que j'ai envie de couper un petit peu. J'ai besoin de repos, les amis. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye.